Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 29 août 2023, 8h pile, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés. Et merci à ceux qui vont s'abonner. Et s'il vous plaît, faites-le. Et assurez-vous aussi de rester abonné. Il y a des choses étranges qui se passent. Même moi, je me fais désabonner des fois de chaînes dont je ne me suis jamais désabonné. Donc, assurez-vous d'être abonné et de rester abonné. On vit une époque extraordinaire. C'est extraordinaire d'être en vie maintenant. Comme j'imagine, ça devait être extraordinaire d'être en vie à peu près n'importe quand, peut-être moins au Moyen-Âge ou dans l'époque des cavernes, mais on vit une époque extraordinaire. Qui n'est pas facile, mais on est témoin de choses hallucinantes. On est témoin de ce que pas beaucoup de gens ont été témoins. Il y a des gens magnifiques qui nous gouvernent. Et là, ils sont, à cause de la vie, à cause de la modernité, à cause de la technologie, à cause des réseaux sociaux, sont complètement exposés. On le voit, on est... Moi, je pourrais comparer ça, ça fait longtemps que je l'ai fait, puis beaucoup de mes abonnés trouvaient la comparaison tellement éloquente. Surtout maintenant, on est, nous, la population... ouvrière, hein, on était comme dans une ruche. Nous, la population ouvrière, on vit comme sur un grand terrain de camping. Je ne sais pas si presque tout le monde est familier qu'un camping, hein, c'est un terrain privé où les gens amènent leur roulotte, leur tente, leur véhicule motorisé, puis vont passer 2-3 semaines là-dessus. Ils louent un espace, il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante, il y a des services de douche commune ou de toilette, il y a un lac, il y a un parc, il y a une piscine, il y a une petite épicerie, probablement un petit restaurant. Puis les gens s'en vont là, puis ils respectent les règlements du terrain de camping, passent du temps là, des vacances. D'autres passent tout l'été, là, laissent leur roulotte là, à longueur d'année, j'en connais. Et tu as un prix de location. Il n'y a rien qui t'appartient. Le terrain, tu le loues. Tout ce qui est là, ça ne t'appartient pas. Et tu payes, puis tu profites un peu, puis tu respectes les lois. Bien, le monde est devenu comme ça maintenant. Il n'y a plus vraiment un espace où tu peux aller t'installer, puis avoir de la paix, puis rendre de compte à personne. Dans nos villes, dans nos pays, que ce soit ici comme au Québec, tu es comme sur un terrain de camping. Il n'y a pas vraiment grand-chose qui t'appartient. Même si tu penses que ta maison t'appartient, que ton terrain t'appartient, tu continues à payer des taxes municipales toute ta vie, des 4, 5, 6 000, 7 000 $ dépendamment de la valeur de la propriété, la valeur du terrain et les services obtenus par la ville. Puis on est entouré de commerces, il y a juste des commerces. On vit comme dans un grand espace vraiment bizarre. Donc, t'es chez toi, c'est pas chez toi, mais t'es chez toi quand même. Tu vas pouvoir faire un peu d'argent avec ta propriété, même si elle ne t'appartient pas vraiment, même si tu penses que le terrain t'appartient, elle ne t'appartient pas vraiment, parce que quand tu continues à payer, c'est parce qu'il n'y a rien qui t'appartient. Mais au moins, tu vas pouvoir faire un peu d'argent, tu sais, tu vas avoir payé ta propriété XYZ, tu vas la revendre XYZ, tu auras une marge de profit au moins. Contrairement à celui qui est locataire, qui paye dans le vide toujours, quand tu pars de ton appart pour changer d'appart, ben tu ne peux même pas partir avec une poignée, il n'y a rien qui t'appartient vraiment. Là, c'est vrai, tu as payé l'hypothèque du propriétaire de l'immeuble pendant que tu étais là. 1500, 1200, 1000 $, peu importe le prix de ton loyer. Puis une fois que tu pars avec absolument rien. Donc, tu te promènes toujours avec juste tes effets personnels. Bon, pour faire une histoire courte, c'est que t'es comme sur un terrain de camping. Puis entouré de commerce. Par pouf, tu sors de ton petit secteur, ton petit... comté, ton petit district, ton petit quartier, bang! Et là, ça commence. Station d'essence, épicerie, dépanneur, petit centre commercial, grand centre commercial, restaurant, garage, station-service, clinique médicale, clinique dentaire, clinique ceci, clinique cela, un autre petit magasin, c'est que ça. Donc, c'est comme si tu étais toujours
attaqué, harcelé, puis sollicité pour acheter quelque chose. C'est difficile de résister à ça. C'est ce qui fait que tu te retrouves toujours avec probablement des fins de mois où tu te dis, il ne me reste plus rien dans mon compte en banque. Tu sais, tu as fait un peu d'argent. Et c'est parce que on est sollicité partout, partout, partout où tu vas aller. Ça, c'est, imagine, ça, c'était en banlieue. Imagine quand tu es dans la ville, par exemple, dans la grande ville, oublie ça. Tu vas toujours être soit au café, soit à gauche, soit à droite, en train de toujours sortir de l'argent de tes poches. Bon, ceci étant dit, ça, c'est le monde dans lequel on vit. Donc, il n'y a rien qui t'appartient, puis tu es dans un monde vraiment réglementé, réglementé. Puis les propriétaires de ce terrain-là, ben, ils sont souvent. Plus t'en veux, plus t'en as, plus t'en veux. Donc, ils sont toujours de plus en plus, comment dire, autoritaires aussi. Hein? Tu as de moins en moins de droits, tu es sur leur terrain. C'est comme si la terre leur appartenait. Tu n'as pas le droit de faire ceci, tu n'as pas le droit de faire cela, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Tes droits et tes libertés se sont vraiment érodés au fil des dernières années. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Après ça, on peut t'imposer le passeport. Tu ne peux pas sortir de chez vous si l'autorité décide que tu n'as pas le droit d'avoir un passeport pour X, Y raison. Puis c'est tout du monde qui font la promotion de la liberté, les frontières ouvertes, mais ils ne veulent pas te donner un passeport pour sortir de chez vous. Puis après ça, ils implantent de plus en plus de politiques austères. C'est eux autres qui impriment l'argent aussi, donc ils sont propriétaires de l'argent. Ils sont propriétaires du crédit, propriétaires des banques, propriétaires des gouvernements aussi. Et c'est eux autres qui décident du coût de la vie, c'est eux autres qui décident de l'inflation, de la prochaine crise économique. Ils décident de tout. Donc tu vois que toi, tu n'as rien à voir là-dedans. Puis on te donne une pseudo-illusion que. En allant voter, il y a quelque chose d'autre qui va se passer, alors que tous ceux qui sont là, pendant la campagne électorale, tous les candidats sont tous issus du même groupe. Il n'y a rien qui va changer. Ils donnent juste des illusions, c'est toute la perte de temps, mais fondamentalement, il n'y en a pas un qui va changer quoi que ce soit aux règles du terrain de camping, tu comprends? Parce que ceux qui sont vraiment les propriétaires, ils vont être très fâchés. Parce que si tu nommes un gérant, qui s'en vient tout chambouler, toutes tes règles, toute ton autorité et toutes tes sources de revenus, tu vas être très fâché, puis tu vas le congédier. Pire, peut-être même tu vas le poursuivre. Donc, c'est bien évident ce qui se passe. Là, tu réalises que on est juste des pions. Et ces gens-là te donnent des communiqués. Hein? Souvent, dans les terrains de camping, tu vois des communiqués. On va faire telle activité, puis c'est toute de la bullshit, c'est toute de l'insignifiance, là. Ben, les médias, c'est un petit peu redevenu comme ça maintenant. C'est des tableaux communautaires d'informations tellement insignifiantes. Et en plus, de propagande, parce que celui qui est propriétaire du terrain, il va dire, « T'es tellement bien chez nous, va-t'en pas ailleurs. De toute façon, tu peux pas t'en aller ailleurs. » Parce que tous ceux qui te prônent la grande liberté, toi, si tu vis au Québec, essaie d'aller vivre en France. Tu dis, moi, ça ne me tente plus le Québec, j'ai envie d'aller vivre en France. Tu vas voir qu'ils vont te mettre les bâtons dans les roues. Puis tu ne pourras pas y aller. Pour différentes raisons. Tu vas même vouloir aller visiter tous ceux qui jouent au grand prêtre de la moralité. Moi, je connais des gens qui vivent, par exemple, en ce moment en Arménie et qui veulent juste aller visiter quelqu'un qui vit ici, au Québec. Parce qu'ils sont mariés en plus, mais ils doivent attendre le rapatriement, ça prend 12, 15, 16 mois, puis ça coûte cher. Puis ils sont mariés en Arménie. Quand ils veulent se voir, parce qu'elle ne peut pas venir ici, naturellement, ils se rencontrent souvent au Portugal, parce que c'est là qu'ils se sont rencontrés la première fois. Puis elle, pour aller au Portugal, ça lui prend, et là, ils voulaient aller en France aussi, ça lui prend un visa. Puis c'est très difficile de l'avoir. Donc, tous ceux qui te prêchent les belles paroles, puis le gouvernement français ou portugais, hein, l'Union européenne, qui sont super gauchistes, elle va aller rejoindre son mari maintenant, qui vit au Québec, puis ils veulent se rencontrer pour une rencontre, puis une vacance ensemble. Ça lui prend un visa. Et parce qu'elle vient d'Arménie, c'est des gens qui sont dans un contexte assez difficile. Ben, ça prend, c'est beau, c'est très très long, c'est très difficile à obtenir pour tous ceux qui te chantent les belles chansons des frontières ouvertes. Donc, tout ça, c'est, tu le vois,
C'est de l'hypocrisie de A à Z. Tous ces gens-là, d'ailleurs, ils possèdent toutes les ressources naturelles, possèdent toutes les usines de la planète de transformation. Enfin, ce monde-là, BlackRock, Vanguard, c'est les grands propriétaires du grand terrain de camping qu'on appelle la Terre, contrôlent tout le reste. Les gouvernements inclus, les marionnettes du Forum économique mondial de Davos et de partout ailleurs, mais ces marionnettes-là sont très riches et profitent du système. D'ailleurs, toutes les règles qu'on t'impose ne sont jamais imposées à l'élite. L'élite s'exclut toujours, tu sais. Donc, c'est ça qui est comme, c'est comme ça que ça se passe. Donc, pas pour te démoraliser, mais juste pour te faire réaliser que si tu veux vraiment changer ta vie, c'est pas en allant voter que tu vas le faire, c'est en changeant les propriétaires. Puis ça, je ne sais pas comment ça peut se faire. Puis c'est pas évident que les prochains propriétaires vont être mieux que ceux-là. C'est vraiment une situation particulière dans laquelle on est maintenant. C'est pas ça vraiment dont je veux te parler, mais je voulais te faire une petite intro juste pour te ramener à la réalité de ce qui se passe, puis qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ça passe par autre chose. Maintenant, Tucker Carlson, tout le monde le connaît, ex-animateur de CNN à l'époque, est parti de CNN, est allé à Fox News, a fait, s'est fait une renommée incroyable parce qu'il a, au fil de son aventure à Fox News, s'est détaché de l'élite, détaché du réseau, même en étant au réseau, il y a beaucoup de ses collègues qui étaient assez froids envers lui, surtout dans ses analyses politico-militaires où il a. Parce qu'il l'a déjà avoué, Tucker Carlson, il s'est dit, moi, je me suis fait avoir par l'élite avec la guerre du Golfe, avec les événements du 11 septembre, tous les mensonges des services de renseignement pour nous envoyer en guerre contre Saddam Hussein, sur un mensonge sur le fait qu'il y avait des armes de destruction massive alors qu'il n'y en avait pas. Ils disent, on a tué 1 million d'Irakiens, on a complètement assombri toute possibilité d'épanouissement pour ce pays-là, puis toute cette région-là. Puis il dit, jamais plus je vais me faire reprendre par toute cette bande, autant les républicains que les démocrates, comment dire, d'aigles ou de war, de pro-guerre, toujours et toujours et toujours. Et depuis ce temps-là, il est très sceptique face à tout ce que l'élite, par exemple, l'américaine, républicaine, démocrate, fait pour envoyer les Américains en conflit à gauche ou à droite, soit directement ou par procuration, comme c'est le cas en ce moment en Europe. Donc, il est vraiment sceptique de ça. Puis, même chez Fox News, qui sont tous des pro-guerre, puis tout du monde de l'establishment, ça a fait en sorte que Tucker Carlson, souvent, se retrouvait tout seul dans son coin, mais lui, il n'avait pas vraiment besoin d'eux autres parce qu'il y a tellement de gens qui le suivent. Donc, que tu l'aimes ou pas, Tucker Carlson, c'est quelqu'un qui a toujours fait la promotion, en tout cas depuis les 10 dernières années, de la liberté, du droit de la liberté, puis il a toujours été un anti-guerre, puis il a toujours été sceptique, surtout des républicains et des démocrates. Et là, naturellement, il a été congédié par Fox News. C'est lui qui t'a montré tout aussi l'hypocrisie pendant la pandémie, toute l'hypocrisie pendant la supposée insurrection. Avec des moineaux. Tu sais, c'était une insurrection sans armée, sans armes, avec des gens assez naïfs qui s'en allaient juste protester parce qu'ils pensaient qu'il y avait eu une élection truquée. Probablement que c'était vrai en plus, tu sais. Parce que tu n'as pas besoin, même juste avec les bulletins de vote, de truquer une élection. Que tous les médias soient contre un candidat, tu te demandes, mais c'est pas normal, ça. Ça veut dire qu'il y a un agenda. Donc, c'est de truquer une élection. Quand 99,999% de tous tes médias, de toutes les sources d'un grand pays de 350 millions d'habitants sont toutes contre un candidat, il me semble qu'il y a quelque chose de très louche là-dedans. Ça ressemble à du trucage, hein? Donc, Tucker Carlson, qui est vraiment sceptique face à l'establishment puis ce qui se passe en Ukraine et en Europe, aimerait, parce que là, depuis qu'il a quitté Fox News, sur Twitter, qu'on appelle la plateforme X maintenant,
Et il y a son podcast qui est là, très populaire, avec beaucoup plus de vues que quand il était à Fox News en passant. Et là, Tucker Carlson aimerait faire un gros coup, puis ça serait extraordinaire. S'il pouvait faire ça, là, ce serait. T'apprendrais des choses que dans toute la machine de propagande en ce moment, concernant ce qui se passe avec la Russie, c'est hallucinant. D'ailleurs, il y a tellement de massacres qui se fait, et ça, c'est tout orchestré par les États-Unis qui poussent ce pays-là à continuer cette guerre complètement impossible à gagner, là. La Russie, il pourrait détruire ce pays-là en moins de 10 minutes. Ils retiennent, ils retiennent, ils retiennent, mais on serait rendu à 300 ou 400 000, peut-être 500 000 morts du côté de l'autre pays, là, tu sais. Puis c'est des chiffres sans compter les blessés, bien sûr. Tucker Carlson affirme que les États-Unis détestent la Russie, si on le sait, parce que c'est un pays chrétien. Ah, parce qu'on le sait, c'est un pays très fondamentaliste et très attaché à ses traditions. D'ailleurs, il y avait je ne sais pas comment les appeler, là, mais un athlète de la UFC, les combats ultimes, qui était avec, je pense, c'est pas Joe Rogan, c'est quelqu'un qui a un gros podcast, qui lui demandait, il y a combien de gens chez vous? Il dit, aux États-Unis, ici, le gars, il dit, on a au moins 150. Il dit, vous avez combien de gens chez vous? Le gars, il le regarde, il dit, moi, je viens d'une famille très fondamentaliste, très chrétienne, puis il dit, je suis content de ça, puis nous autres, on vient des montagnes, là. Puis il dit, dans mon coin, il dit, il y a deux gens, OK? Alors que les rumeurs circulent qu'il a encore approché Poutine pour une interview sur la plateforme X. Imaginez le coup fumant que ce serait et comment ça serait extraordinaire pour qu'on puisse voir aussi l'autre côté de la médaille. Tout ce qu'on nous a annoncé depuis le début de ce conflit-là, les sanctions, que la Russie se retrouverait isolée, qu'elle s'effondrerait, puis que Poutine, je ne sais pas, depuis un an et demi, Poutine, je vous en rapporte toujours des liens. Ah, il est mort, il n'est pas mort, il va être renversé, il ne sera pas renversé, on prépare un coup, puis. Il y a un cancer, il est en phase terminale, puis l'économie russe va s'écrouler, le rouble va s'écrouler. Il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Au contraire, ça a créé un bloc encore plus solidaire de l'autre côté avec l'alliance BRICS, qui, on pourrait dire, est entre les mains du leadership de la Chine et de la Russie, qui se sont rapprochés énormément depuis le début de ce conflit-là. Donc, les Américains, ils sont complètement. L'élite américaine, encore là, a joué un coup. Puis, je ne sais pas comment l'analyser, mais jusqu'à présent, là, c'est pas fort. À moins que ce soit tout ça soit planifié, je ne sais pas. L'ancien animateur de Fox News a déclaré lors d'un festival en Hongrie, parce qu'il était en Hongrie cette semaine, c'était extraordinaire, je vous en rapporterai des détails de ses analyses à lui, de ses discours. Et en Hongrie, il a dit que les États-Unis détestent la Russie parce que c'est un pays chrétien. Il a déclaré que la Russie est comme la Hongrie, dans la mesure où les deux sont fondés sur des préceptes chrétiens et a affirmé que c'était suffisant pour inciter les décideurs politiques américains. Donc, lui, il en connaît plus que nous autres, que Tucker Carlson. Donc, s'il avance ça, c'est donc parce qu'il y a un fond de vérité là-dedans. L'élite américaine, démocrate, républicaine, puis tu le vois avec les politiques en ce moment aux États-Unis sur les genres et tout ce que tu peux imaginer comme politique de gauche, puis tu peux imaginer que oui, c'est vrai, ils sont anti-chrétiens. Ça, tu ne peux même pas te tromper. Puis je pense que Tucker Carlson est sûrement plus au courant que nous autres parce qu'il les connaît tous. Il y aura parlé toujours, même en privé, à ces gens-là de la haute sphère. Et s'il avance ça doit être qu'il y a un fond de vérité là-dedans. Tucker Carlson a fait ce commentaire alors que Moscou prétendait qu'il tentait d'organiser un entretien avec Vladimir Poutine. Tucker Carlson a affirmé que les États-Unis détestaient la Russie parce que c'est un pays chrétien, alors que Moscou prétendait qu'il tentait d'obtenir un entretien avec Vladimir Poutine. L'ancienne star de Fox News a déclaré au MCC Fest, un festival social, politique et culturel en Hongrie, que la Russie est comme la Hongrie, dans la mesure où les deux sont des nations construites sur des préceptes chrétiens. Donc, est-ce que ça va se réaliser ou non? Mais ça serait fantastique. Ce serait fantastique. It is so nice to be in this retrograde right-wing hellscape. This is my second time in Hungary, and both times I've had exactly the same reaction. First, well, the first reaction, if I'm being honest, is the food is amazing.
The second reaction is, I have no hope in this lifetime of speaking Hungarian, but I admire it. And the third reaction is, this does not seem like a right-wing hellscape to me at all. It actually seems very much like the country that I grew up in. It seems like America circa 1985. Il dit, la Hongrie, c'est un pays extraordinaire, la nourriture est extraordinaire. Il dit, je me retrouve dans une assemblée où on nous compare à des extrémistes nazis de la droite. Puis il dit, je regarde le monde ici, puis ça n'a pas l'air de ça, ça a l'air d'être les États-Unis de 1985. You know, where there's a big bulk of normal people who aren't that interested in politics, then you... Donc, je vois une grande foule ici de gens très normaux qui n'ont pas l'air plus intéressés que ça à la politique. You know, people on both sides who are each making their case, and there's a vigorous public discussion about... Il y a de la discussion publique ici en Hongrie. Il n'y a pas de censure, ainsi de suite. En tout cas, je vous reviendrai avec le Tucker Carlson là-dessus, mais très, très, très intéressant. Et ce serait fantastique que Tucker Carlson réussisse à avoir une entrevue. Ce serait une entrevue non filtrée où tu apprendrais des choses vraiment, vraiment extraordinaires. Donc, espérons que ça va se produire. Puis je vous laisse là-dessus. Puis n'oubliez pas, on vit sur un terrain de camping avec des règles qui sont de plus en plus strictes. Bon mardi, puis je vous reviens avec d'autres nouvelles un peu plus tard aujourd'hui.